auteur-compositeur originaire de la Guadeloupe. Je suis arrivée dans la musique, on dirait que je suis née dedans avec un papa chanteur qui a beaucoup chanté, qui a fait des albums à l'époque. Je me rappelle que quand j'étais toute petite, je partais avec lui en répétition. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui avaient du succès à l'époque, comme les Maxels et puis bien d'autres, Nadine Saint-Éloi. Et avec une maman qui travaillait dans une boutique de disques à l'époque et qui était spécialisée dans du blues, dans du jazz, dans du gospel et puis la musique traditionnelle de chez nous. C'était la biguine, il y avait du groka, du calypso, voilà. Alors mes premières influences, quand je suis gamine, j'écoute du Billie Holiday, du Ella Fitzgerald, on a tous été fans de Summertime. Et puis, il y a eu des périodes intermédiaires, mais depuis peu, j'aime beaucoup Gregory Porter, Mélodie Gardot, voilà, des artistes de jazz, on va dire, classiques, un peu contemporains. Esperanza Spalding, je trouve qu'elle est, c'est une talentueuse artiste. Et Robert Glasper, parce que c'est entre jazz et soul. Alors ça, Lala Ataoué, que des beaux bijoux. Et bien sûr, le jazz caribéen. Le projet Jazz Island est un projet dont je suis fière d'en faire partie. Et puis, il y a vraiment des artistes des îles, des dom-toms, très talentueux. Voilà, on retrouve des artistes de La Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et Haïti. Jazz Island. La famille, c'est le socle, c'est la base, c'est très important. Et la famille, ça nous permet tout simplement d'exister, en tout cas moi, d'être ancrée, d'être enracinée. C'est auprès de ma famille que je trouve mes repères, c'est auprès de ma famille que je suis devenue. Je suis ce que je suis grâce à ma famille. Mon souhait particulier pour le monde, c'est que qu'on arrête avec ce virus et qu'on le remplace par un virus d'amour. Ça, ce serait déjà une très très belle chose. Et voilà, de gros bisous et de belles fêtes de fin d'année. Les projets futurs, un album en préparation et puis des duos, vous verrez, des petites perles. Alors sur les réseaux sociaux, vous pourrez me retrouver que ce soit sur Insta, Facebook et la chaîne YouTube, Tania Saint-Val officielle. Et puis tout ce qui concerne les plateformes de téléchargement et de streaming, Tania Saint-Val. Retrouvez-moi sur le projet Jazz Island avec le titre « Tu ne m'aimes plus oh ». Maintenant tu ne m'aimes plus, si tu pouvais me voir encore.